que t'en vois des impressions Ouais, bah, je dirais que on a un peu vu la même sorte de match où on domine, où on se fait des occasions, on ne marque pas, et puis bon, là, sur un coup de pied arrêté, ça fait le deuxième match d'affilée où on prend les buts sur coup de pied arrêté, l'équipe adverse n'a pas eu une occasion du match, et il marque sur son coup de pied arrêté, nous, on a bon, peut-être 5 belles opportunités de marquer, on n'a pas marqué. Et après, on a le ballon, mais on est encore un peu encore de maîtrise, un peu d'expérience, un peu de qualité pour pouvoir mieux utiliser ces ballons dans les 25 derniers mètres pour créer plus de danger devant le but adverse. Et donc, voilà, bon, après, les joueurs n'ont pas démérité, ils sont d'une très forte chaleur, ils ont fait des efforts, il suffit pas toujours de faire des efforts, après il faut aussi une certaine maîtrise, un peu plus de maîtrise, un peu plus de qualité devant le but pour pouvoir concrétiser la domination et puis les occasions que l'on a. Ouais, on a fait un bon match. On a fait du même niveau qu'on a gagné. Là on n'a pas gagné parce qu'on prend un but sur un pied arrêté et qu'on ne concrétise pas les situations que l'on a. On a fait un bon match. On va pas dire qu'on a fait un gros match, mais on a fait un bon match. C'est le gros effort sur une forte chaleur et j'espère qu'ils vont pouvoir récupérer pour mardi jouer contre Mouloudia. Et après on va enchaîner avec le CRB le 30, puis le 3 on aura encore la 35e journée, puis on aura l'USMA match en retard, donc on va jouer tous les 3 jours jusqu'à la fin de la saison. Sous cette chaleur et tout, je ne sais pas comment on va faire. On va essayer de faire ça au maximum, ben, en sachant toujours que le match le plus important c'est la finale et que bon, il va falloir que le jour de la finale on ait tout le monde sur pied. Donc, il va falloir gérer les temps de jeu pour qu'on n'ait pas de blessés. Pas faire force de répéter les matchs comme ça, on risque d'avoir des blessés. Et ça serait dommage d'arriver à la finale avec 5 blessés ou 6. Donc il va falloir gérer les choses si on peut arriver à gérer au mieux les matchs que l'on match nous attend mardi, puis vendredi, puisqu'on jouera contre l'USMA, ce sera pas un petit match non plus. Et puis non, le CRB. Puis après, on aura encore un match, puis on ira à l'USMA en match en retard. On n'a que des gros matchs qui nous attendent. Bon, ben, on va essayer de les gérer au mieux, du mieux possible et bon, d'arriver à engranger quelques victoires. Un message de sa côté. Oui, on attend leur soutien, on continue. Les joueurs n'ont pas démérité et on va tout faire pour gagner mardi. Merci beaucoup.